suite de ce EA Date avec un nouvel invité. Vous voyez son livre à l'écran. Il s'agit de Homéric de Sardes. Bonsoir. Et on revient dans la langue française avec vous pour évoquer à présent les grandes entreprises. Vous êtes CEO de Pitchboy et donc les grandes entreprises chinoises que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Les grandes entreprises chinoises, et j'aimerais également mettre un focus tout particulier sur les entreprises européennes. Déjà, ce qui me paraît très important, c'est que les entreprises européennes s'intéressent vraiment à ce qui se passe en Chine. On vient d'avoir deux exemples avec China Mobile et AutoX. Et ce que je trouve fascinant, c'est que toutes les informations sont à disposition. Déjà, depuis les années 50, la Chine met en place des plans quinquennaux et dans lesquels elle explique quelle est sa roadmap, quels sont ses objectifs à un niveau national pour toutes les cinq années. Là, nous rentrons dans le 14e plan quinquennal, donc sur 2021-2025, et le gouvernement a annoncé très clairement que ses objectifs concernent la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les technologies, l'écologie et la consommation. D'ailleurs, j'ai revu dans la présentation de Mme Huang un terme qui est de plus en plus à la mode, qui est A, B, C, D, E. A pour intelligence artificielle, artificial intelligence, B pour blockchain, C pour cloud, D pour data, la donnée, et E pour e-commerce. Donc, j'invite vraiment les entreprises à prêter attention à cette roadmap parce que c'est là où elles vont pouvoir trouver les secteurs stratégiques, la force et aussi les ressources pour aller trouver des partenariats avec les entreprises chinoises ou du moins des secteurs à fort potentiel. Parlant des secteurs stratégiques, je vais en citer quelques-uns. On parle donc de la chaîne d'approvisionnement, ça c'est l'alimentation. On rappelle que la Chine, c'est 1,4 milliard de personnes. Vous avez une société d'État qui s'appelle COFCO, COFCO qui a été créé il y a plus d'une trentaine d'années, mais c'est surtout aujourd'hui 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 500 millions faits en France. Donc, une ETI, une PME de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, c'est une entreprise importante. Et ce qui est important pour les sociétés qui travaillent dans l'univers de l'agriculture, c'est de voir quel a été l'impact des routes de la soie pour que la Chine puisse sécuriser ses approvisionnements. Et on voit que les élevages côté chinois dans les secteurs agricoles pour la production de salades et autres ont été très importants, mais également dans le secteur porcin. Un autre secteur stratégique, c'est le tourisme. Bon, on a eu un pré-Covid, on aura un post-Covid. Ce qui est certain, c'est que les Chinois aiment voyager, ils aiment découvrir d'autres cultures, ils aiment beaucoup la France. Et c'est pour des raisons qu'une entreprise comme Fosun a investi au point de racheter des entreprises que nous connaissons tous comme Club Med ou encore Thomas Cook. Un autre secteur, c'est celui de l'électroménager. Des entreprises dont nous connaissons les marques et que nous utilisons souvent chez nous, vous avez Raier, qui est un des leaders mondiaux de l'électronique grand public, qui est le numéro un sur un certain nombre de marchés, dont les frigidaires. Et vous avez une entreprise, le groupe SEB, très bonne entreprise européenne, qui a, elle, racheté une marque et qui se développe très, très bien en Chine. Elle a racheté une marque chinoise qui s'appelle Support et qui marche très bien, comme quoi on a aussi des très bons exemples de succès dans l'autre sens. Dans les télécommunications, on a China Mobile, on a Huawei. Ces entreprises ont imposé le créneau de la 5G. Maintenant, que fait l'Europe pour avancer sur le sujet de la 6G? Ça paraît, alors la 5G n'est pas encore complètement déployée. Pourquoi est-ce qu'on parle déjà de la 6G? Eh bien, parce que la Chine a déposé déjà énormément de brevets sur ce secteur-là, que les États-Unis, associés avec le Japon, ont créé des fonds de plusieurs milliards de dollars pour la R&D afin de ne pas se voir imposer une norme, mais pour pouvoir proposer la leur. On revient un petit peu sur le sujet du PAL et du CECAM, du DVD et du Blu-ray, etc. Et ce sont des sujets très importants parce que c'est des sujets stratégiques qui ont un impact très fort sur le PIB national de tous les pays qui sont concernés. Trois autres secteurs rapidement, donc le transport, on vient de voir un excellent exemple avec AutoX,
BYD, société également implantée à Shenzhen, qui a ouvert plusieurs usines en Europe, qui est le numéro un mondial aujourd'hui pour tout ce qui est la fabrication, la commercialisation de bus électriques, et qui a la volonté de devenir le numéro un mondial d'ici 2025 des véhicules électriques, avec déjà aujourd'hui un certain nombre de véhicules toutes catégories. Et là, la question qui se pose, c'est quelles sont les perspectives pour une entreprise comme Valeo, une entreprise française très connue, qui, elle, a déjà 19 000 collaborateurs en Chine, 8 centres de R&D, et comment se passent les évolutions, les discussions, les négociations pour ces deux belles entreprises. Le secteur du divertissement, qui est celui dans lequel aujourd'hui j'opère personnellement, qui m'intéresse énormément. On voit des sociétés comme Tencent, hein, qui sont très présentes en Europe au travers de leurs investissements, pas tant au travers de leurs produits indirects, quoique le cinéma, ils investissent énormément dans le cinéma. Et une société que tout le monde connaît sans la connaître aujourd'hui, qui est ByteDance, qui est la maison mère de Douyin et l'équivalent européen de TikTok. Et cette société-là, ce que je trouve absolument fascinant, c'est qu'en 2020, c'était déjà 60 000 collaborateurs et une valorisation à plus de 100 milliards de dollars. Donc, quand on voit que TikTok est venu détrôner auprès de la nouvelle génération les usages d'Instagram, de Facebook, eh bien, la question se pose, est-ce qu'on aura un patron américain ou est-ce qu'on aura un patron chinois? En tout cas, les générations européennes, elles, les jeunes, ne se posent pas la question de savoir d'où ça vient tant que ça leur apporte un usage très fort. Deux derniers secteurs, l'éducation. Secteur très important, très prioritaire en Chine. La Chine est le pays qui a investi le plus. C'est le 70% des ressources EdTech viennent de Chine. Et c'est le numéro un mondial au niveau des investissements, avec plusieurs sociétés qui sont valorisées à plusieurs milliards. On est très loin en France de ça, et c'est vraiment dommage. On est resté sur un certain conservatisme. Et enfin, l'environnement, qui est un sujet très fort en Chine, en France. À la différence, c'est qu'il y a très peu de démagogie en Chine, là où il y en a énormément en France. Et on voit que des sociétés comme Veolia et Suez, au niveau du traitement des eaux, des déchets, ont remporté de magnifiques contrats, sur le marché chinois. Donc maintenant, mon conseil aux entreprises européennes, c'est posez-vous la question, à vous qui nous écoutez, de quelle est vraiment la valeur ajoutée que vous pouvez apporter en tant qu'entreprise française, en tant qu'entreprise européenne. Quelles sont vos forces? Parce que les entreprises européennes ont un grand nombre de forces au niveau du savoir-faire, au niveau de leur connaissance de leur marché, leur histoire, leurs marques qui sont connues, reconnues. Et eh bien, les entreprises connaissent bien le tissu local, les lois, les réglementations. Ce qui n'est pas souvent le cas quand une entreprise chinoise souhaite s'implanter en Europe. C'est souvent compliqué avec des barrières culturelles. Donc, il y a une opportunité qui est là pour des partenariats, pour des collaborations. Maintenant, la deuxième question à se poser, c'est en fonction de l'activité, est-ce qu'il y a plutôt des opportunités de partenariat ou est-ce qu'on est partenariat donc local pour un développement, ou alors est-ce que vous avez une technologie, un savoir-faire unique, des méthodes qui vous permettent d'aller en Chine? Aujourd'hui, nous ne sommes plus, quand on regarde le marché chinois, nous ne sommes plus sur un marché qui doit apprendre à créer ou à copier. C'est fini cette époque-là. On est sur un marché qui est à très forte innovation, avec un pouvoir d'achat très conséquent, avec une véritable fierté, une force nationale, et qui souhaite, les consommateurs chinois veulent des produits de qualité, dernière génération. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons apporter qui puisse être à forte valeur ajoutée? Maintenant, concernant les menaces, eh bien, les entreprises elles-mêmes sont leurs propres menaces. Les entreprises européennes sont leurs propres ennemis. Elles sont souvent trop peu réactives, démagogiques, peu flexibles, contrairement aux entreprises chinoises qui, elles, ont une vraie rapidité, un vrai pragmatisme, une rapidité dans l'exécution. On est sur un modèle vraiment de fail fast. On essaye, si ça ne marche pas, tant pis, on passe à autre chose jusqu'à ce que l'on trouve quelque chose qui fonctionne. Hein. C'était la stratégie des pierres de Deng Xiaoping. On s'appuie, si jamais c'est stable, on y va. Si c'est pas stable, marche arrière, on en trouve une autre. Trop souvent aussi, les dirigeants européens
connaissent mal la culture de leurs interlocuteurs et ils n'investissent pas ou peu de temps, y compris du temps personnel, dans le partenariat qui doit être vu non pas comme un partenariat juridique, mais véritablement comme une relation. Il faut s'investir, apprendre à se connaître et enfin s'assurer de toujours, toujours, toujours garder un avantage compétitif ou d'apporter de la valeur dans la relation, dans le partenariat. Pour une raison très simple, toujours très pragmatique, le jour où mon partenaire peut faire mieux et peut faire seul, pourquoi s'embarrasserait-il de moi dans la collaboration? Et enfin, un dernier aspect, et là je prends un petit peu de hauteur, je pense que c'est le rôle des gouvernements européens qui devraient davantage supporter les entreprises européennes qui sont sur des secteurs stratégiques, comme le fait très bien la Chine, et ces gouvernements devraient avoir deux rôles. Le premier, celui de support, par des crédits d'impôt, par des ouvertures de marché, des subventions. Et le deuxième, c'est un rappel de l'autorité pour s'assurer que le savoir-faire, l'expertise soient protégés, mais aussi pour s'assurer qu'on crée des géants et des leaders européens. Ça a été le cas. On a eu en France, à l'époque de Pompidou, un certain nombre d'entreprises qui ont émergé, des grands projets qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir nous considérer comme étant un grand pays en France et de mieux réagir aux crises que d'autres. Mais quand on voit la Chine qui gère des situations monopolistiques comme Meituan sur la livraison de repas à domicile ou encore dernièrement sur Ant Financial, on se dit qu'il y a des choses très intéressantes dans la relation qu'ont les entreprises avec le gouvernement et qu'il y a des synergies très fortes entre des acteurs de cultures différentes, mais avec des centres d'intérêt très proches, et des gouvernements qui doivent être là pour assurer la viabilité, la pérennité et l'approvisionnement, la sécurité et l'avenir des générations, quelles qu'elles soient au niveau européen. Parfait. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Homéric de Sardes. Vous avez fini, vous vouliez ajouter quelque chose. Vous avez été parfait en timing. Il vous reste même une petite minute si vous voulez conclure. Non, bah, merci. Il y aura beaucoup de questions après. Avec grand plaisir. Parce que tous les thèmes que tu, Homéric, as développés sont vraiment les thèmes sur lesquels on doit discuter. Quel impact pour l'Europe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment on peut se positionner et pour n'être pas écrasé par les grands géants de l'Occident et de l'Orient. Merci beaucoup. Et une question importante, pourquoi votre prochain patron sera chinois? C'est le nom de votre ouvrage et vous y avez partiellement répondu. Merci, à tout à l'heure. On rappelle que vous pouvez poser les questions pour ceux et celles qui sont donc connectés en direct avec nous.